faire d'abord une forme. Donc on va prendre l'outil ellipse. On va faire une forme. La couleur blanche. Ou la couleur jaune qui est là. On va faire notre première forme. On fait la toute première forme comme ça. En orange. Donc pour ne pas que le fond se mélange là, parce que là on n'a pas encore appliqué l'homme porté. Donc on va faire CTRL J. On va cliquer à l'intérieur de celle-là. On va cliquer sur la partie blanche. Les deux sont superposés, donc on fait clic, on fait CTRL T, CTRL T. Ou bien vous venez dans édition, transformation, manuel. Donc là, on va diminuer un peu sa taille comme ça. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur la partie jaune, on va venir dans calque, style de calque, on va cliquer sur emporter. Vous voyez, on a emporté. Donc là, on va venir là, vous voyez l'emporter, on peut gérer. Vous cliquez sur cette partie et vous allez gérer l'emporter. Vous mettez les valeurs que je suis en train de mettre là directement. Vous allez mettre au niveau de la distance 12, grossi 11, taille 27 et opacité 49 et langue à 90 tout simplement. Donc, après avoir fini ça, maintenant on va changer la couleur de celle-là. Cette couleur-là en blanc. Donc actuellement, vous voyez que même le blanc même est bien visible. Donc on va aller maintenant dans fichier, importer et incorporer dans le dossier qui a été fourni. Et maintenant vous allez, on vient là, étiquette, on va prendre la toute première image. Tac. Quand vous sélectionnez le truc, ça vient directement dessus, donc c'est encore plus intéressant. On clique là, on met, on diminue, on met là, on fait ça. Ok. On va faire ce qu'on appelle un masque d'écritage. Donc les deux formes sont là. Vous voyez le cercle et puis le truc. Les deux sont sur. C'est-à-dire l'un est sur l'autre. L'image est sur la forme. Donc on va faire ce qu'on appelle un masque d'écritage. Clique là. Créer un masque d'écritage directement. Ça s'apprend. Comme ça. Donc on va encore sélectionner celui-là. Les trois éléments. On va faire peut-être. On peut grouper ou soit peut-être on peut laisser comme cela. Bon, on va créer un groupe et maintenant on va dupliquer, on va sélectionner tous les éléments à l'intérieur comme cela et on va dupliquer comme ça, mettre ça peut-être là, on va dupliquer encore ici, là au niveau de la, c'est à vous de voir hein, parce que là chacun aura sa manière de faire tout simplement. Donc cette partie je peux alt. On maintient Alt pour faire, pour dupliquer. Vous maintenez Alt et puis vous allez sélectionner tout. Vous maintenez Alt et puis vous dupliquez comme cela. On va tout sélectionner. Et je vais essayer d'agrandir un peu les images. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Donc après ça, maintenant vous avez la possibilité de changer les couleurs, peut-être celle-là en orange, ça peut-être en rouge, mais ça donne un peu plus de couleurs, raison pour laquelle j'ai pas plutôt mis ça. Donc là maintenant vous cliquez sur une image comme cela et vous venez dans fichier, importer. Comme ça et on va réduire sa taille, on réduit sa taille comme cela et on réduit encore comme ça, on fait entrer, on vérifie dans le calque là et vous allez déplacer pour remplacer et vous allez masquer cette partie là directement, ça va à sa place comme ça. Et vous allez cliquer sur une autre image, par exemple celle là, vous allez venir dans fichier,
importer et incorporer. Vous allez cliquer sur cette nourriture là et vous allez faire ça, réduire sa taille comme ça, réduire encore sa taille. On va valider et directement prenez l'image, vous venez là, vous masquez l'ancienne image. Donc on essaie de faire monter juste un peu. On va cliquer sur cette image là aussi, on va aller fichier édition, fichier incorporer, on va cliquer sur la sauce, on va réduire un peu sa taille, on va réduire encore. On fait descendre, on va masquer ça. Il reste la dernière image, c'est l'image du wanchi. Pour ceux qui connaissent cette nourriture, super délicieuse, une nourriture assez délicieuse. On fait ça, on déplace juste un peu, on va réduire sa taille comme ça, on va réduire un peu encore. Si vous avez des difficultés avec cette partie, n'hésite pas aussi à me faire savoir. Voilà, parce que je pense pas que ça soit un peu facile et simple aussi comme. Donc après avoir fini cette partie, ce qu'on va faire maintenant, c'est de tourner cette partie là. Ça. Donc on va prendre l'outil plume toujours. On va faire première la forme, on peut commencer par là, fait ça, c'est là qu'on va placer le logo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes décors que moi, voilà, ça va dépendre. Clique là, il est jaune, tac, et là ma forme est quelque part ici, donc je vais déplacer pour mettre ça au premier plan. Ok. Donc en fonction du logo, ça, si vous mettez sur un fond jaune, ça va pas bien apparaître. Donc, il faut du blanc pour donner l'éclat à toutes ces couleurs là. Voilà, donc ça, si on met là, tu vois, il y a du jaune, donc ça va faire une fusion un peu compliquée. Donc on va maintenant tirer juste un peu, on va maintenant dupliquer cette partie. CTRL J, on déplie, et celui du bas, celui-là, on va mettre ça en blanc. Il dit dans Photoshop, on a plusieurs manières de faire les choses. Donc voilà, plusieurs manières de faire les choses. Donc, on va faire pousser juste celui qui est un peu en bas là, du vert. C'est pas obligé que vous ayez.